Tiens, un toit de l'eau, dans cette fournaise. Je croyais être la seule de cette espèce à survivre ici. Nous avons vu l'attaque de la tourelle. Qui es-tu pour t'aventurer dans la citadelle maudite ? Mon nom est Nokama. Je suis venue avec Vakama, le Toa de feu. Nous devons remettre un objet de la plus haute importance au prince Hydraxon. Par l'esprit divin, qu'est-il arrivé à mon compagnon ? C'est lui qui transportait cet objet. Je suis Floranui, Hydraxon est mon père. Le prince est retenu prisonnier par Maxilos, un de ses lieutenants qui a succombé à la perfidie de Makuta. Ton compagnon a été précipité vers le dôme. Si c'est un toit de feu, il pourra peut-être y survivre. Mais à l'intérieur, il n'a aucune chance, seul face aux légions de Makuta. Je sens qu'il est encore vivant. Je dois le retrouver immédiatement. Vite dit, tu as devant toi tout ce qui reste de combattants du monde libre. De valeureux compagnons, mais trop faibles pour combattre de front l'armée de Maxilos. Mais dis-moi, de quel objet s'agit-il ? Je ne sais pas si je dois le dire. Oh ! Et puis après tout, Vakama transporte le masque Ignaqua, forgé par Matanui. Ignaqua ? Alors la situation est pire que je le craignais. Si Maxilos met la main dessus, tout espoir est perdu. Nous hésitions à nous mettre à découvert, mais nous n'avons plus le choix. Ton aide nous sera utile. Suis-nous. Au niveau supérieur, il faudra être silencieux. Je connais un passage qui est moins gardé que les autres. Je sens que Vakama court un grand danger. Hâtons-nous. Filons au générateur avant que l'alerte soit donnée. J'espère que tu sais ouvrir ça, parce que là, moi, je peux pas t'aider. Eh ben, on va voir si cet imbécile de Maxilos a pensé à effacer mes empreintes. Et non, la voie est libre. Floranui, c'est toi? Non, ne t'approche pas, ces rayons sont mortels. Tu dois d'abord délivrer les Toa. Danma, Attacus! Quelle joie de vous revoir, mes derniers fidèles. Je partage cette joie, père, mais elle est hélas assombrie par une triste nouvelle. Il est possible qu'Ignaqua soit déjà aux mains de l'ennemi. Oui, je l'ai également senti. Il lui faudra beaucoup de repos pour se remettre des tortures de l'infâme Maxilos. Seigneur Hydraxon, j'ai perdu le contact mental avec Vakama. La situation est désespérée. Non! Même affaibli, nous tenterons une dernière action. Nous combattrons peut-être sans espoir, mais non sans courage, guidés par l'esprit de Matanui. Je ne comprends pas, cette partie du palais est déserte. Je m'attendais à combattre des barakis dans chaque couloir.